Nous avons décidé de manifester aujourd'hui tout simplement parce qu'avec la direction, ça avance pas. Ils disent qu'ils ne comprennent pas nos demandes, qu'ils ne comprennent pas pourquoi on en est arrivé là. Nos demandes sont principalement sur les primes. Certaines primes qu'ils ont acceptées, où ils ont fait un beau geste, d'autres où ils ont été en dessous de nos demandes. On n'a pas cherché à négocier dessus, on est prêt à les accepter. Mais concernant la Haut Générale, ils restent fixes sur l'idée que ce sera non, quoi. Ils ne veulent pas intervenir dedans, ni sur une prime exceptionnelle qui pourrait compenser la Haut Générale. Ils sont contre. Nous avons essayé de manifester tout simplement pour leur montrer qu'on ne cédera pas, quoi. Autre mobilisation cet après-midi, cette fois devant la Maif Solution Financière à Tournord. Une mobilisation de soutien à l'une des salariées convoquée cet après-midi à un entretien préalable de licenciement. Selon sa famille, et les responsables syndicaux, son seul tort serait d'être secrétaire à la section syndicale CGT de son entreprise. On écoute au micro de Claire Gressieux le délégué CGT Michael Bruguière. Il revient sur les relations entre son syndicat et la direction. C'est cordial, on se dit bonjour, mais pas plus. Hein. Donc le syndicat fait peur d'une certaine manière, impressionne, mais c'est aussi les personnes qu'on va essayer de faire partir en premier. Donc il y a ce rapport qui est vraiment malsain avec la direction. C'est un contre-pied pour eux, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas contrôler. Or, on est dans le tout contrôle là. Donc vu que tout veut être contrôlé, ça rentre pas dedans. Donc on n'est pas dans le moule en fait.